手に持っている震えた君のやる場所へ足を早め向かっている。Hello, salut à tous et bienvenue pour ce nouvel Anime Time. Aujourd'hui, Noragami en 120 secondes, 2 minutes, let's go. Yato est un dieu mineur dont le rêve est de devenir la divinité la plus vénérée du pays avec son propre temple et ses propres cérémonies. Pour ce faire, il exauce n'importe quelle demande contre une rémunération de 5 yens. Alors pour vous dire, 5 yens en euros, ça fait rien du tout, il me semble que ça fait même pas un centime. Donc c'est vraiment que dalle. Au cours de l'une de ses missions, il manque de se faire écraser par un bus qui l'évite grâce à une lycéenne, Iyori Iki. N'ayant pu éviter le véhicule, la jeune fille verra alors son âme se séparer de son corps lorsqu'elle s'endort. Refusant de rester dans cet état, Iyori demandera à Yato de l'aider à retrouver son état original. En attendant de retrouver une solution, sa condition va lui permettre de découvrir un autre univers collé au sien, qui est aussi fascinant que dangereux, le monde des esprits. Voilà, alors Noragami est un animé décomposé en 12 épisodes de 25 minutes chacun, sorti cette année en 2014 de janvier à mars je crois, ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps, donc 12 épisodes ça va, de 24 minutes. Par le studio d'animation Bones, le créateur original, plutôt la créatrice, il me semble que c'est une femme, c'est Adachi Toka, qui a fait le manga Alive Last Evolution, qui est pas mal, il paraît. Le réalisateur est Tamura Kotaro, les musiques sont de Iwasaki Taku, celui qui a également fait Bento, un anime thème que j'ai déjà fait, et Kenta Nagatari, un anime thème que je vais faire d'ailleurs prochainement. Donc un petit peu connu. Le réalisateur par contre est un peu méconnu. Et dedans vous aurez des combats, des dieux, des déesses, des monstres, donc de la fantasy, de l'action, de l'aventure, la comédie du surnaturel. Et c'est un shonen, vous retrouvez dans la description de la vidéo un trailer ainsi que le site officiel et comment le regarder. Salut à tous.